Salut tout le monde, du coup ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va visiter un château bien connu dans le monde de l'urbex, dont le nom officiel est Andermatt. On espère que ça va vous plaire, c'est notre premier château si on ne compte pas la superbe alarme, le fail qu'on a déclenché la dernière fois. Et bah du coup c'est parti. On est en train de marcher dans la forêt en direction du château. Et on espère que ça va bien se passer. On a les drones qui sont sortis, donc on fera des petits plans sympas. Pour l'instant, il ne pleut pas. En tout cas, ça fait super du bien de retourner en urbex. C'est vraiment cool. Quasiment un an pile après notre premier. C'est grave. À deux jours près. Putain, grave, dans la forêt de nuit, ça ferait trop Blair Witch, je crois. Bah, en fait, quand j'ai fait le couvent, moi, je n'y ai pas, je n'y ai rien. C'était la porte. Ok, c'est là l'entrée. Bon, voilà dans Andermatt. Nous voilà à l'intérieur d'Andermatt, on vient de rentrer, on va partir dans la visite. Donc c'est un vieux château abandonné, que dire de plus? Avec une chapelle. Avec une chapelle et une serre. Et a priori, il avait été racheté par une société très connue apparemment dans la région pour faire des travaux, etc. Sauf que c'était plus ou moins des escrocs, et ils n'ont jamais fait les travaux en fait. Donc il me semble qu'aux dernières nouvelles, quand je m'étais renseignée il y a très très longtemps, cette société voilà, a déposé le bilan, etc. Et le château leur a porté le... Donc on va aller visiter tout ça, on espère que ça va être sympa, que ça va vous plaire, que ça va bien se passer surtout. A tout de suite.
avec la GoPro. Oui, je sais. Regarde comme ça, c'est bien. Je m'en fous, j'ai trois batteries. Oh, on fera attention de passer dans votre carré pour pouvoir les faire. Ouais, il y a du canapé. Ouais, il y avait encore une cheminée là. Des sortes de maths là. Ouais, ouais, j'ai vu. Enfin, en tout cas, ça a une gueule un peu de coffre-fort, quoi. Le sol est énorme, c'est un peu de gueule. Il est fermé. Il n'y a pas un autre truc de l'autre côté? Ça se trouve, c'est pas un coffre-fort, mais ça a bien une gueule. C'est entre cette chemise. C'est ouvert? Non. Ah, c'est ouvert. Ouais. De toute façon, avec tous les urbexeurs qui sont passés ici, ouais. Ça avait quelque chose en tête. Les chevaux et tout ça, ou la vieille auto. Donc je me sacrifie. Ouais. Oui, mais c'est parce que pour tu filmer, c'est mieux. Ouais, c'est ça, c'est parce que vous n'avez pas. Il y a un objectif en avant, je trouve. Bah vas-y, le tout. Tu te fais pas aller ça. Fallait pas être trop grand. Hein. Oh, les vieux trucs. C'est plein de bouteilles. Ouais. Bah, c'était les cales. La cave. La belle brique rouge et tout.
trouvé, je pense, que c'est la réserve de bois dedans pour faire sécher ta tête. Tu marcherais pas à gauche? Ah ouais non. Ah d'accord, j'ai. Ah, ok. C'est juste ah mais ok, d'accord. Ouais. Ah les placards. Eh. Bon. Oh. Eh, vous avez une bonne surface de mouvement quoi. Ça va, tranquille. Tranquille. Là, vous pouvez faire des petites gosses, soulever, pas de soucis. Et on a vu encore un escalier qui montait encore, et sinon on a une espèce de trappe au-dessus du toit avec une échelle, donc on va d'abord essayer les escaliers et après on va essayer de monter tout en haut, parce que moi il me semble que j'ai déjà vu des youtubeurs monter en haut du toit.
sais, le sol résonne vachement. On fasse gaffe. Genre là-bas, là, tu vois, ça fait un peu creux. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là-bas. Mais je crois que l'escalier est monté encore. Donc, de toute façon, on n'est pas obligé de se faire chier à monter là. Ouais. Ah bon? Il y a encore un escalier là. Il y a encore des combles autres. On l'a vraiment pas tout au même niveau. Il y a les petites chaussures là. Alors, allez. Avec les vieilles malles et tout. On prend les escaliers un peu safe. On continue de regarder parce que là on était sur le même niveau. On était sur des combles et là on est retombé, je vais vous montrer, on est retombé sur une partie maison avec une chambre. Donc on va finir la partie maison et après on essaye de monter sur le reste des toits. Oh putain, il y a encore des escaliers, c'est Harry Potter ici, cette fille là. Ah, t'as le cul tout sale, Lily. Hein? T'as le cul tout sale. Ouais. Ah ouais, oh la vache. Ah, c'est joli, hein. Ouais. On dirait un tout petit peu le couvent, vite fait. Ouais. Oula, ouais, il y a des fils, là. Ouais, c'était pour étendre le linge, ouais. T'es chaud d'aller ouvrir ça? T'es pas chaud? Pour aller sur le toit, moi je suis pas chaud du tout. T'es pas chaud? Non, mais pas par ici, mais par l'escalier en pierre. Ouais, ouais. Je vais juste regarder là. Parce que c'est sûr et certain, parce que je crois que j'ai vu une fois des vidéos d'un mec avec le drone et le. Non, par là on peut pas. Si, mais à force pas, ça va tout se casser la gueule. Ouais, non, par là on peut pas. Mais là-bas, à mon avis. Non, là-bas on peut par contre. Mais on va d'abord essayer l'escalier en pierre, vu que de toute façon il faudra descendre. Autant tout monter. Moi je suis monté dans le clocher de l'escalier en fer qui est au fond. Ah oui? Il y a rien à voir, il y a juste un petit étage et c'est. Ouais, on va voir, c'est pas grave. De toute façon, au pire, pour voir le toit, on a le drone. Hein. Ouais, c'est vrai. On va s'emmerder la vie. Hein. Ouais, mais si, c'est cool. Oui. Sous l'escalier. Ça, c'est un grand placard. Hein. Bon, ah, oh, ça pue! Ah, ça devait être là où il devait y avoir le pigeonnier et tout. Je suis monté de... Ah ouais, mais d'accord, il y a des piafs qui sont... Oh là là. Tu m'étonnes que ça sente la fiente. Par contre, je suis pas sûre qu'on puisse tous monter. Ah si, il y a le Christ. Jésus est parmi nous. On sort d'Andermatt, ça s'est super bien passé, c'était bien sympa. On vous fait un petit coucou à tous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel urbex. Là on va reprendre un petit peu les vidéos, enfin surtout moi puisque Lissou va un peu plus se consacrer à sa chaîne trottinette, Foxtrot, d'ailleurs allez la rejoindre dessus. Venez faire la trottinette. elle sera souvent avec moi en urbex malgré tout, mais pas forcément à tous les coups et du coup... Il va y avoir également un peu plus de voyages sur la chaîne. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous avez aimé la vidéo. Ça vous coûte rien et puis nous, bah, ça nous permet d'être un peu plus visible parce que c'est toujours sympa de que les gens voient ce qu'on fait quand on s'est embêté à faire du montage.
Et puis bah, surtout, on espère que ça vous fait plaisir de nous revoir après un long moment d'absence. Donc bah, si ça vous a plu, petit like. Et puis bah, à très vite. Stay safe. Ciao, stay safe.